Je m'appelle Anthony Palliser, ce qui en français se dit Anthony Palliser. Et je suis peintre. Et je n'ai jamais beaucoup acheté d'art parce que j'en produis beaucoup, les murs sont pleins, etc. Mais de temps en temps, ça m'arrive et j'ai celui qui est... Je suis sûr d'avoir acheté quelque chose de très beau, c'est un grand dessin, un énorme dessin sur du papier craft fait par une jeune écossaise. Elle s'appelle Kirsty Whiten et j'ai été émerveillé par son dessin. Et en plus, le dessin était très émouvant. Ça représentait un couple d'amoureux nus. Le dessin lui-même était d'une vigueur incroyable et très évocateur et très simple parce que c'était vraiment du crayon ou du fusain ou un crayon noir sur du papier craft brun. C'était très beau. Mais elle peignait vraiment fort. C'est fou ce qu'il y a de femmes maintenant qui peignent fort. Et une chose touchante, c'est qu'il y a des amis qui sont passés dans son atelier 2 jours avant que je vienne chercher le dessin et ils ont voulu l'acheter. Et elle, qui devait avoir beaucoup besoin d'argent, a dit non, je ne peux pas vous le vendre parce qu'Anthony le veut. Je n'avais pas encore dit que j'allais l'acheter, mais elle me l'a gardé. Donc je l'aime encore plus pour cette raison. J'ai acheté ce dessin parce que c'est un vrai beau. Et je crois que les peintres, le plus ils travaillent et le plus ils vivent, le plus on sent tout de suite quand quelque chose connecte vraiment, que c'est vraiment du vrai. Et ce que j'ai, comme tout le monde, on a ça très rarement, et j'ai trouvé ça dans le dessin de cette fille, et que j'ai admiré ce qu'elle faisait en général, mais ce dessin, sa simplicité enlevait un peu l'individualité qu'elle aurait pu avoir par rapport à les grandes toiles, qui étaient beaucoup plus typées. Mais il y avait un métier, et le métier et l'émotion. C'était amoureusement fait, on sentait que ça l'excitait. Et cette excitation est transmise toujours par la... Tu peux faire une femme nue somptueuse, si elle ne t'excite pas, elle n'excitera pas les autres. C'est l'excitation de l'artiste qui est communiquée. Il y a du désir pour le modèle, presque, sauf que s'il n'y en a pas, d'habitude, ce n'est pas très bon résultat. Et ça peut être un désir. On peut avoir un désir sans qu'il soit immédiatement purement sexuel. Il y a un désir, il y a une espèce de stimulation érotique, sensualité. Et ça, c'est important, c'est essentiel. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé dessiner dans les académies, parce que c'était des braves femmes pour lesquelles je n'avais absolument aucun... Ça devenait vraiment des mannequins en bois. J'ai fait beaucoup de portraits de nus. J'ai fait des nus. Quand j'avais des cours, je disais aux étudiants, les nus ont des visages. Parce que tu sais, dans les écoles d'art, ils dessinent tout sauf le visage, c'est trop compliqué. J'espère que ce qu'il y a de bien dans les miens, c'est que c'est vraiment une personne, un individu, c'est un corps unique. C'est absolument pas stylisé. Et la femme te regarde droit dans les yeux d'habitude. Il y a des paysages dans un visage, et il y a des paysages dans un corps. Tu peux absolument peindre le dos et le derrière de quelqu'un, et c'est tout à fait un portrait, évidemment, parce qu'il n'y en a pas deux. Je l'ai fait souvent pour moi, mais on m'a aussi demandé de le faire. Peindre ma femme de dos nu, où vraiment on voit qu'un dos est le début d'un derrière. C'est fou comme il y a des acheteurs différents, comme il y a ceux qui le font vraiment par une espèce d'enthousiasme, par amour, disons, immédiat, enfin un coup de foudre, et d'autres qui le font d'une façon très posée, qui reviennent, qui regardent, qui changent la vie, etc. Enfin, et nous, on est toujours très nerveux, évidemment, on veut vendre. Je suis heureux de vendre, et je déteste vendre à des gens que j'aime pas. Et parfois, il y a des vrais collectionneurs, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher, ça c'est, il n'y en a pas assez. Mais c'est génial quand même. Ils regardent, ils disent je ne dois pas, et puis pouf, ils téléphonent une heure plus tard, ils disent je dois te l'acheter. Et j'ai vendu un jour un tableau que j'aimais beaucoup à une amie qui habite à la campagne, et un jour le téléphone me réveille, j'entends clic-clop, 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 enfin le bruit d'un cheval, je dis qu'est-ce que.
Et elle était à cheval. Et elle me dit, j'y pense depuis ce matin, je dois te l'acheter. J'en peux plus. Et je me mets devant comme ça fait plaisir.